Bonjour, Brenda, comment ça va? Ça va bien? Comment ça va, Marcella? J'espère que vous allez bien. Bonjour, Edward. Ok, bah je vois qu'il y a des gens qui se connectent déjà. Je vous souhaite la bienvenue, encore une fois, au cours de français niveau débutant. Avec l'association Linkaid et grâce à Colombiano Sule et les consulats de Colombie à Paris. Ok, donc on va commencer. Margot, merci, bonjour. Comme d'habitude, je vous rappelle, bonjour ici Dora Pilar, que l'adresse du blog c'est cursefrancaiscneu.blogspot.com. Et que les Moodle, c'est déjà disponible à l'adresse linkaid.fr/français sans la CCI. Français sans CCI. Aussi, une information importante, les tests pour l'atelier des conversations avec Arthur est disponible dans notre Moodle. Donc déjà, les tests est déjà disponible dans le Moodle. Mais attention, il faut que vous ayez déjà un compte pour pouvoir passer les tests. Donc si vous n'avez pas encore créé votre compte sur le Moodle, il faudra la créer et ensuite passer les tests. Aussi, juste encore une fois, pour vous rappeler, les places pour l'atelier sont limitées vu que vous êtes beaucoup de personnes. Donc, on ne peut pas avoir 60 ou 100 personnes dans l'atelier parce que l'idée, c'est que vous puissiez parler. L'idée, c'est de parler. Et donc, c'est pour ça qu'on fait les tests pour voir combien de personnes font les tests. Et ensuite, on va sélectionner des personnes qui ont fait les tests, les personnes qui pourront alors participer de l'atelier. Donc, pour rappel, l'atelier, ça va être le vendredi 22 octobre à 2h heure Colombie et 19h heure française. C'est-à-dire la même heure du cours, à la même heure du cours, sauf que c'est le vendredi 22. Entonces, les recuerdo. Et ya pusimos en el Moodle, ahora en Colombia nos pusieron el link, si ustedes quieren acceder directamente al test, para poder acceder, si ustedes hacen este test, van a participar para poder acceder al atelier de conversación que va a dar el profesor Arthur, ustedes ya lo conocen, el día 22 de octubre. Entonces, es decir, este viernes a las 12 del día hora Colombia y a las 7 p.m. hora Francia. Atención. Si ustedes quieren participar para poder hacer el test, recuerden que se deben inscribir. Se deben inscribir. Si tienen una cuenta, pueden pasar el test. Entonces deben inscribirse para poder hacer el test. Y una vez hayan hecho el test, pues quedan registrados y vamos a ver cuántas personas hacen el test. Y de esas personas vamos a seleccionar y les vamos a avisar por mail los accesos para el atelier. Ok, donc je vais pas tarder. Donc voilà, ça c'est l'information. Vous l'avez déjà sur le link des Colombianos Unidos. Je vais le mettre sur la présentation et sur le blog. Yo voy a poner toda esta información en el blog y en la presentación que les voy a dejar de la clase. Ok, donc on va commencer. Aujourd'hui, on est à la séance 29. C'est la semaine 15 sur 24 et aujourd'hui on est mardi, donc les cours c'est avec moi et les jeudis avec David. Donc pour ceux qui ne nous sont pas vus avant, on a changé. David maintenant va être les jeudis et moi je vais être le mardi avec vous. Tous les cours sont enregistrés pour ceux qui sont nouveaux et donc on va commencer. C'est parti. On va faire une révision. Ok, c'est bon.░░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 ││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 ></││││││││││
Donc, on va faire une révision sur les adjectifs démonstratifs. Donc, les adjectifs démonstratifs, nous l'avons vu, c'est ce, cette et c'est. On va faire une révision sur les adjectifs démonstratifs. L'idée, c'est que vous allez me dire. On a cinq phrases et vous allez me dire pour chaque phrase quel est l'adjectif démonstratif que nous devions utiliser pour chaque phrase. Donc pour la première, vendeur est très aimable. Vendeur est très aimable. Vous allez me dire quel type d'adjectif démonstratif nous devons utiliser. Donc attention, donc les adjectifs démonstratifs, nous le avons vu la semaine passée. Nous avons vu que ce, cette et c'est sont utilisés pour désigner un objet ou une personne. Donc, je vois déjà des réponses. C'est ce vendeur. Ce vendeur est très aimable. Ce vendeur est très aimable. Très bien. Ensuite, la 2. Je n'aime pas chemise. Je n'aime pas chemise. La deuxième, comme on dit, je n'aime pas chemise. Quel adjectif démonstratif nous devions utiliser? Donc, faites attention, il faut voir. On va utiliser l'adjectif démonstratif selon le nom et les genres de nom. Donc, si c'est féminin, si c'est masculin, si c'est pluriel. Ou si ça commence par voyelle. Vous êtes au taquet! Très bien! Très bien, Edouard, Aleida, Raphaël, Margot, bravo! Je n'aime pas cette chemise. Je n'aime pas cette chemise. Je n'aime pas cette chemise. Cette chemise, parce que c'est une chemise ou la chemise. Ensuite, la 3. 3. Je vois que Raphaël, il commence. Il a déjà la réponse. Donc, elle aime bien écrivain. Ici, je vous ai mis le LED. Écrivain, c'est masculin. Un écrivain. C'est un écrivain. C'est masculin. Attention. Donc, quel adjectif démonstratif nous devions utiliser si écrivain, c'est masculin? Je vois que Pilar. Byron, Sandra, Raphaël ont déjà la réponse. Donc c'est elle aime bien cet écrivain. Elle aime bien cet écrivain. Et elle utilise cette, C-E-T. Pourquoi? C'est parce que écrivain, c'est masculin, mais il commence par voyelle. Donc on va utiliser cet adjectif, C-E-T. Et la prononciation de ces deux adjectifs est la même. Ok, ouais, je vois que vous êtes déjà en avance pour la quatrième, bravo. Donc, pour la quatrième, regardez, botte en promotion. Hugo, tu donnes la bonne réponse aussi. Alejandra, pareil. Luz Marina, Yahaira, bravo. Regardez ces bottes en promotion. Regardez ces bottes en promotion. Ces bottes. Et la dernière, dites-moi la dernière. Je veux savoir la dernière. Tu trouves comment pantalon? Tu trouves comment pantalon? Je ne vois pas de réponse pour la cinquième. Ok, je vois une réponse, deux réponses. Ok, super. Super Sandra, Jessenia, Aleida, tu trouves comment ce pantalon? Tu trouves comment ce pantalon? Tu trouves comment ce pantalon? Regardez ces votes en promotion. Donc, si je réponds, ce vendeur est très aimable, je n'aime pas cette chemise, elle aime bien cet écrivain. Regardez ces votes en promotion. Tu trouves comment ce pantalon? J'ai voulu aussi faire des petites précisions
sur des questions que vous m'avez posées la semaine passée. Donc, vous m'avez demandé quelle était la différence entre ce et c'est. Ce, c'est. Donc, déjà, la prononciation est différente, mais on va voir deux exemples. Ce chien est mignon. Et ce mon chien, il est mignon. Ce chien est mignon. À quoi ça sert ici cet adjectif démonstratif? Il sert à désigner les chiens, à dire ou à montrer un chien. Si par là il y a un chien, tu peux dire ce chien est mignon. Este perro está bonito. Alors que la deuxième phrase, c'est mon chien, il est mignon, on est en train d'identifier ou de présenter quelque chose ou une personne. Donc là, on est en train de présenter notre chien. C'est mon chien, il est mignon. C'est mon chien, este es mi perro, él es lindo, o es bonito. Voilà la différence. Ce chien est mignon. J'ai présente ou j'ai dessine quelque chose qui est à côté ou que j'ai pu voir, algo que yo puedo ver, algo que yo puedo señalar. On utilise ce, alors que c'est es para presentar, es un presentativo. C'est mon chien, c'est ma mère, c'est Leonardo DiCaprio, voilà. Ce sont mes bottes, d'accord? Et aussi, attention à la différence entre c'est et c'est. Ici, on a la même prononciation. C'est et c'est. C'est la même prononciation. Mais ça s'écrit différemment. C'est, c-e-s, c'est l'adjectif démonstratif. Alors que s-e-s, c'est l'adjectif possessif. Ces bottines vont très bien avec mon pantalon. Ces bottines vont très bien avec mon pantalon. Alors que la deuxième, il dit, il tient dans ses mains un petit oiseau. Il tient dans ses mains un petit oiseau. Donc ça, c'est ses mains. Ses mains sont sus manos, alors qu'ici, sont esos botines. Voilà pour la petite précision. Donc, toujours comme ça, vous allez savoir maintenant, avec des exemples clairs, les différences entre ces mots qui sont des homophones. Tout ça, c'est des homophones. C'est et c'est sont des homophones. Estas tres palabras son homófonas. Es decir, que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Ok. Donc, qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi. Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée des dates. Nous sommes le mardi 19 octobre. J'étais dans le passé. Estaba en el pasado. Yo estaba en el pasado. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le mardi 19 octobre et je vais vous apprendre ou je vais un peu faire un rappel de parler de ses goûts et encore aussi d'écrire son entourage. Parce qu'on va voir quelques parties des grammatiques, de la grammaire, où je vais vous présenter les adjectifs. Allez, c'est parti! Ok, donc on va parler de ses goûts. On va parler de ses goûts. Parler de ses goûts. Parler de ses goûts. Alors, vous l'avez écouté la semaine passée. La semaine passée, on avait écouté ces mêmes audios. Mais cette fois, j'ai vu que vous écoutiez une autre chose. Vous allez écouter une autre chose. C'est parler de ses goûts. Donc, cette fois, vous avez écouté encore une fois l'audio de la femme et son mari qui vont dans une boutique de vêtements. Mais cette fois, qu'est-ce que je veux? Je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous entendez et quelles sont les expressions qu'ils utilisent pour parler des égouts.
Quelles expressions utilise-t-il pour parler de ses goûts? Quelles expressions utilise-t-il pour parler de ses goûts? Donc, ce que je veux, c'est quoi? Vous allez écouter l'audio et vous allez repérer dans ce que c'est dont il parle, quelles expressions il s'utilise pour parler de ses goûts. Ok? Lo que quiero entonces es, voy a poner el audio y ustedes me van a decir en el audio cuáles son las expresiones que ellos utilizan para hablar de sus gustos. Ya saben, muy bien, yo veo en los comentarios qué expresiones utilizan para hablar de los gustos. Hugo, aimé, adoré, c'est une bonne réponse, mais là, vous allez écouter l'audio que je vais vous mettre. Vous allez me dire quel mot ils utilisent. En específico. Van a escuchar y van a decir cuáles son las palabras que ellos utilizan en este audio. François, qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier? Oui, il est joli. J'aime bien la couleur. Elle me va bien. Oui, cela va bien avec tes cheveux. Va l'essayer. Oh François, tu as vu cette petite robe là? Oui, elle est pas mal. Qu'en penses-tu? Le chemisier irait bien avec. Oui, en effet. Tu pourrais essayer. Oh, attends. Regarde celle-là. Elle est mieux, je trouve. Oui, elle est différente. Je préfère la coupe. Avec l'autre, j'ai peur d'être trop grosse. Oui, tu as raison. Pourquoi tu ne l'essaies pas? Oh, François, il y a cette petite jupe là aussi. Oui. Tu vois, à mon avis, elle ferait bien aussi avec le chemisier. Bon, va donc essayer. Mais tu vois, il me faut aussi un pantalon. Je n'ai plus de pantalon. Ah oui, c'est vrai. Tu aimes bien le blanc, là? Je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille. Ah bah, cela dépend. Il faudrait essayer. Non, finalement, je préfère le noir. Le noir, ça passe partout. Oui, en effet. J'ai envie d'en prendre deux. Tu comprends? Je n'ai plus rien à me mettre. Mais oui. Prends-en deux, s'il te plaît. Bon, François, tu m'attends? Je vais essayer tout ça. D'accord, je t'attends là. Tu pourrais regarder les chemises et les cravates en attendant. Tu n'as pas besoin d'une cravate? Oui, tu as raison, je vais regarder. Ok, alors, dites-moi, je vois que Patricia, tu as déjà répondu. Quels sont les autres mots qu'ils utilisent? Quels sont les autres mots qu'ils utilisent dans l'audio pour parler de ses goûts? Edouard, super, aussi, très bien. Juliette, boisson, boisson et non, ce qu'il quiere decir, boisson avec double S, es bebida. Mais très bien, ok. Je préfère, ils utilisent beaucoup je préfère. Et il dit aimer, mais il dit aimer avec un petit mot à côté. Mais c'est très bien. Je vois Gladys, elle dit j'aime bien. Oui, j'aime bien. C'est bien. Ben, super, vraiment super. C'est des très bons écoutes. Vous êtes des très bons, vous êtes bien avec l'écoute. Je vous félicite. On va voir alors des petits détails, des petits passages où il s'exprime ses goûts. Donc là, elle dit, François, qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier? Il dit, oui, il est joli. J'aime bien la couleur, elle me va bien. J'aime bien la couleur, elle me va bien. Oui, cela va bien avec tes cheveux. Va l'essayer. Donc, j'aime bien la couleur, donc, c'est-à-dire, j'aime bien la couleur. Me gusta. Me gusta el color de la camisa. J'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. Il est joli, c'est la description. Aussi, c'est, je le trouve bien. C'est de la description. Ça compte aussi pour parler de ses goûts. Parce qu'on dit, oui, il est joli. Il est joli, c'est des expressions pour décrire le petit chemisier. Mais dans ces cas, les mots clés, ça va être j'aime bien. J'aime bien la couleur. Donc attention, elle ne dit pas j'aime la couleur, mais plutôt j'aime bien la couleur.
J'aime bien la couleur, ce n'est pas la même chose que j'aime la couleur. J'aime bien et j'aime, ce n'est pas la même chose. Nous allons le voir tout à l'heure. Aussi, il y a une petite chose que vous n'avez peut-être pas remarquée. C'est une expression qui est très utilisée par les Français. Pourtant, quand on est en cours de français, on ne l'apprend pas. On ne nous l'apprend pas souvent. C'est quelque chose qu'on apprend quand on est dans une immersion culturelle. Et c'est celle-ci. Oh François, tu as vu cette petite robe là? Oh oui, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. C'est une expression très française. Elle n'est pas mal. Ça veut dire quoi, elle n'est pas mal ou elle est pas mal? À votre avis, ça veut dire quoi? Tu as vu cette petite robe là? Oui, elle est pas mal. Elle n'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? À votre avis, ça signifie quoi? Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. C'est pas mal. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça signifie? Gladys, elle dit « no está mal, no está mal ». Et en effet, c'est « no está mal, no está mal ». En français, c'est muy común escuchar, en español, nosotros tenemos tendencia, sobre todo en Latinoamérica, a utilizar los negativos como positivos, menos, no lo hacemos tanto. En francés, utilizan mucho los negativos como positivos. Es decir, no está mal, ni pas mal, ce n'est pas mal. No está mal. Et c'est très utilisé en France. En France, vous allez voir plutôt que les gens ils ne vont pas dire « Ah, c'est bien !» Non, ils vont préférer dire « Ah, c'est pas mal !» Quand quelque chose est bien, les Français vont préférer dire « Cette chose est pas mal !» au lieu de dire « Ah, cette chose est bien !» Pongan mucho cuidado si vienen a Francia, si ya están en Francia. Las personas no les van a decir, ah, está bien, c'est bien. Les van a decir mejor, ah, no está mal. Sobre todo en el trabajo, en la vida cotidiana. Está muy arraigado la cultura de decir, ce n'est pas mal. Para que ya sepan, ce n'est pas mal. Cuando yo llegué a Francia, para mí era una palabra muy, muy rara, porque yo decía, o sea, no está mal, es decir, que está ahí más o menos. Pero para ellos, dependiendo de la entonación, eso lo vamos a ver también ahorita, es una palabra que es positiva. Sepa mal es algo positivo. Y no se deben sentir mal si se los dicen. Es simplemente la manera de, para ellos de decir que algo está bien. Donc c'est pour ça, elle dit, oh François, tu as vu cette petite robe-là? Ah oui, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Vous avez dit aussi préféré, le verbe préféré. Oh, attends, regarde celle-là. Elle est mieux, je trouve. Elle est mieux, je trouve. Oui, elle est différente. Je préfère la coupe. Avec l'autre, je peur d'être trop grosse. Alors, je préfère la coupe. Elle est mieux, je trouve. Elle est mieux, je trouve. Regarde celle-là. Au début, elle avait dit « Regarde cette petite robe-là. » Alors non, « Regarde celle-là. »« Mira este pequeño vestido allí. » Ah non, « Mira este otro allá. » C'est mieux, je trouve. « Está mejor. » C'est mieux, « está mejor. » Et c'est pour ça qu'elle dit « Je préfère la coupe. »« Prefiero el corte de ese vestido. » »« Je préfère la coupe. » C'est aussi parler de ses goûts. Choisir. Quand on utilise « je préfère », on est en train de faire une choix. On est en train de privilégier quelque chose au-dessus des autres. Quand on utilise le verbe « préférer », estamos privilegiando un artículo ou una cosa por encima de otras. Por eso decimos que « elle est mieux »,« elle está mejor »,« je préfère ». Et aussi, ben, la dernière, mais tu vois, il me faut aussi un pantalon. Je n'ai plus de pantalon. Tu aimes bien le blanc glas? Je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille.
Ah ben, cela dépend, il faudra essayer, dit son mari. Non, finalement, je préfère le noir. Le noir, ça passe partout. Oui, en effet, je préfère le noir. Parce qu'ici, elle dit, je préfère le noir, parce que tout à l'heure, elle avait parlé d'un pantalon blanc. C'est-à-dire qu'entre le pantalon blanc et le pantalon noir, elle préfère les pantalons noirs. Ok. Oui, le noir, ça passe partout. Ça, c'était l'expression qu'on avait appris la semaine passée. Et ici, elle dit, avec le blanc, elle dit, est-ce que je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille? Con el blanco, no me voy a parecer como a un helado de vainilla. Des expressions. Donc, tout ça, donc ces petites... enregistrement, ça va nous aider, ça nous a permis de faire une introduction aux mots pour parler de ces goûts. Pourquoi? Parce que par le passé, je vous avais appris le mot adorer, le mot aimer et les mots ne pas aimer et détester. On n'avait que ces quatre mots-là. Mais en français, nous avons plus de mots pour exprimer ces goûts et exprimer ces goûts en fonction des ordre des grandeurs, c'est-à-dire j'ai plusieurs mots, donc il y a des mots positifs et des mots négatifs et des mots plus forts que d'autres. Hay palabras mucho más fuertes que otras. Es como te quiero y te amo en español. Igualito, te quiero y te amo. Es un poco te amo es más fuerte que te quiero. Pareil en français pour certains mots. Donc, je vous ai mis quelques mots et cet ordre d'importance. Donc, adorer, c'est le plus important. C'est vraiment très fort, adorer. Et son contraire, c'est détester. C'est très fort aussi. Adorer et détester sont des antonymes. Adorer, c'est l'antonyme de détester. Adorer et détester son antónimos y están al mismo grado de importancia. Après, il y a aimer. Aimer et ne pas aimer. Ne pas aimer. Il y a aussi aimer bien ou aimer beaucoup. Aimer bien et aimer beaucoup. Aimer bien, aimer beaucoup. Ceux deux-là, ils sont à peu près au même niveau, ils sont au même niveau et ils sont moins forts qu'aimer. Donc, mucha atención también. Este también es otra de las experiencias que yo tuve en Francia. Aimer est plus fort qu'aimer bien. Amar es más fuerte que amar mucho, como aimer beaucoup. Aimer beaucoup. Amar es más fuerte que amar mucho en francés. Entonces, atención, porque si ustedes quieren decirle te amo a su novio, novia, o a su marido, esposa, si ustedes dicen je t'aime bien, es decir, es menos fuerte que je t'aime. Je t'aime, c'est quelque chose de très fort. Alors que si tu dis ah oui, je t'aime bien, c'est moins fort. Lo podrían comparar un poco como te quiero y te amo. C'est vrai, Edouard, c'est très bizarre. Pour moi aussi, c'était très bizarre. J'aime, c'est plus fort que j'aime bien ou j'aime beaucoup. Eso es una cosa cultural, pero así funciona. Et de cette côté, donc on a aimé, c'est au même niveau, mais son antonyme, c'est ne pas aimer. Donc ça, c'est la négation, ne pas aimer. C'est la négation à l'infinitif. Ici, c'est la négation à l'infinitif. Et ne pas aimer beaucoup, pareil, c'est au même niveau qu'aimer bien et aimer beaucoup. On ne dit pas ne pas aimer bien. On ne dit pas ça. Je n'aime pas bien, on ne le dit pas. On dit je n'aime pas beaucoup. Mais on ne dit pas je n'aime pas bien. On ne dit pas ça. No hay entonces negación con aimer bien. La negación de aimer bien et aimer beaucoup va a ser n'est pas aimer beaucoup. Porque con esta palabra no hay negación.
Y por último, entonces tengo dos acá. Esta todavía no se las había presentado, pero esta también es muy francesa. Donc, ce n'est pas mal. C'est comme ça que c'est à l'écrit, ce n'est pas mal. Mais à l'oral, nous disons c'est pas mal. C'est pas mal. Vous allez l'entendre beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est quelque chose qui est bien. C'est pas mal. Et une qui est, si on vous dit ça, faites attention si on vous dit ça. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ah non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est quelque chose qui est vraiment mauvaise. Ça, c'est quelque chose qui est mauvaise. C'est pas terrible. Ah non, ce film, c'est pas terrible. Ce film, c'est pas terrible. J'ai détesté. Ce film, c'est pas terrible. C'est très mauvais. Si les disent « c'est pas terrible », quiere decir que es terrible. Que es terrible, que es horrible, que está mal. Esta palabra también es muy francesa. Si les dicen esto, quiere decir que algo no va bien. Entonces, si alguna vez escuchan eso, si alguien les dice eso sobre algo o sobre una persona, es un poco difícil, pero sobre cosas, no vayan allá. Por ejemplo, si les dicen que una película c'est pas terrible, si ce film c'est pas terrible, es decir, no está bueno, estuvo muy malo, no vayan a ver la película entonces, porque en serio van a perder la plata. Ok, et nous avons aussi le verbe préféré, comme je vous avais expliqué, vous avez vu, le verbe préféré est utilisé pour dire qu'entre plusieurs choses, il y en a une qu'on aime plus. Entre plusieurs choses, il y en a une qu'on aime plus. Donc, dès l'exemple entre le pantalon blanc et les pantalons noirs, la femme, elle préfère le pantalon noir. Donc, je préfère le noir. Ok. Et ici, je vous avais mis un petit astérisque. Pourquoi ? C'est pas mal, c'est pas mal. Son sens peut changer en fonction de l'intonation. C'est pas mal. Son sens peut changer en fonction de l'intonation. Esta palabra, c'est pas mal, dependiendo de cómo la persona lo diga, va a ser algo positivo o puede ser algo normal, moyen, algo que ni está mal ni está bien. Entonces, mucha atención. Mucha atención también a cómo vamos a hacer la intonación. Yo les voy a hacer un ejemplo justo ahora. ¿Es que por l'instant vous avez des questions par rapport à ça ou je peux passer aux exemples? ¿Es que vous avez des questions? ¿Es qu'il y a des questions par rapport à ça? ¿Es qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris pour l'instant avant de passer aux exemples? Dites-moi, je vous écoute, je vous lis sur les commentaires. Je ne vois pas des questions, donc je vais passer. Donc ici, je vous donne alors des exemples avec les mots qu'on vient de voir. J'aime bien la couleur de ce petit chemisier. J'aime bien la couleur de ce petit chemisier. Cette robe, elle n'est pas mal. Donc, attention, comme ça, j'ai fait l'intonation. Ici, l'intonation. Cette robe, elle n'est pas mal. Cette robe, elle n'est pas mal. Cette robe, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. J'adore voyager en Colombie. J'aime lire des romans policiers. J'aime lire des romans policiers. Elle aime bien le pantalon blanc, mais elle préfère le noir parce que le noir, ça passe partout. Ça, c'est ce qu'on aime, ce qu'on aime, ce qu'on aime. J'aime bien, j'adore, j'aime bien, je préfère. Alors, maintenant, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'aime pas. Elle n'aime pas beaucoup cette jupe. Elle n'aime pas beaucoup cette jupe.
Alors, faites attention parce que tout à l'heure, je vous avais montré les formes à l'infinitif de « n'est pas aimé beaucoup ». Ici, c'est la forme conjuguée. Elle n'aime pas beaucoup cette jupe. Elle n'aime pas beaucoup cette jupe. J'ai essayé ce restaurant et ce n'est pas terrible. J'ai essayé ce restaurant, mais ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Je déteste le fromage. Je déteste le fromage. Aussi, faites très attention aussi à l'intonation parce qu'il se dit « Ah, je déteste le fromage !» On ne va pas vous croire. Hagan mucha atención en cómo ustedes gesticulan y cómo hacen las intonaciones, porque cuando ustedes van a decir algo que no les gusta, su intención y su intonación tiene que ir de acuerdo con esto. Una persona que les diga, je déteste el fromage, ustedes le van a creer en serio que no les gusta el queso, mientras que una persona les dice, ah, je déteste el fromage. S'il est toute souriante, vous allez pas comprendre est-ce qu'elle n'aime pas le fromage vraiment ou est-ce qu'elle l'aime. Entonces, mucha atención también a los gestos y a la intonación. Je déteste le fromage. Il n'aime pas regarder des séries. Il n'aime pas regarder des séries. Il n'aime pas regarder des séries. Vous n'aimez pas beaucoup faire du sport. Vous préférez lire. Vous n'aimez pas beaucoup faire du sport, vous préférez lire. Ça, c'est une de contraste. Donc, vous n'aimez pas beaucoup faire du sport. No les gusta mucho hacer deporte, prefieren leer. Vous n'aimez pas beaucoup faire du sport, vous préférez lire. Et ici, je vous donne un avis mitigé ou quelque chose de moyen. Et c'est là où je vous dis et je vous répète comment c'est important l'intonation. La soupe à l'oignon, ouais, elle est pas mal, sans plus. Ouais, elle est pas mal, sans plus. C'est quelque chose de moyen. C'est, alors qu'ici, on dit, cette robe, elle n'est pas mal. Cette robe, ah oui, elle n'est pas mal. La robe, elle n'est pas mal. Ici, on dit, ah ouais, elle est pas mal, sans plus. La soupe à l'oignon, ouais, elle n'est pas mal, sans plus. No está nada mal, simplemente no hay más que decir. Sans plus es está no está mal, no hay más que decir, sans plus. Sans plus es no hay más que decir. Entonces, presten entonces mucha atención, esto es muy francés, si ustedes quieren defenderse igual, pueden utilizar j'aime bien, j'adore, j'aime, je préfère, je n'aime pas, je déteste, je n'aime pas beaucoup. Cuando utilicen c'est pas terrible y cuando utilicen c'est pas mal, son expresiones un poco más francesas, más de la cultura francófona, pero que ya sepan que en clase las han visto y que qué significa, porque digamos, cuando yo llegué, por ejemplo, a este país, yo no sabía qué significaban y las aprendí en curso de ruta, digamos. Ok. Alors, pratiquons parler de ses goûts. Pratiquons parler de ses goûts. Et vous, pouvez-vous me parler de vos goûts? Pouvez-vous me parler de vos goûts? Ouais, sí, ouais, es otra manera de decir sí, Rafael. Oui, es sí. Ouais, aussi. Ouais, también es sí, pero es un poco más familiar. Es como, ouais, ok. En vez de decir, oui, ok, tu peux dire, ouais, ok. Pero eso es muy familiar. Muy casual. Ouais, es muy casual. Es sí, pero más casual. Alors, pouvez-vous me parler de vos goûts? Utilisez le vocabulaire appris. J'aime, j'aime bien, j'aime beaucoup, je n'aime pas, je déteste, je préfère. Je vous lis, je vous savoir et je vous savoir qu'est-ce que vous aimez,
Quelles sont les choses que vous préférez? Quelles sont les choses que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez pas beaucoup faire, que vous aimez bien? Je veux savoir. Je veux voir des phrases complètes. Ok, je vois qu'il y a Gina qui répond. Oui. Gina répond. J'aime beaucoup regarder la télé. J'aime beaucoup regarder la télé. Ok. Merci, Gina. Et vous, les autres, qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. Edward. Edward. Edward adore la danse et lire des livres. Ici, tu peux faire attention à l'écriture, Edouard. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. Lire des livres. Raphaël dit, j'aime beaucoup aller au cinéma. J'aime beaucoup aller au cinéma. Raphaël aime beaucoup aller au cinéma. Par exemple, vous pouvez dire, Raphaël ici, elle dit, j'aime beaucoup aller au cinéma, me gusta mucho ir al cine. Pero, si usted quiere decir como c'est ma passion ou que lo aman mucho, puedes decir, j'aime le cinéma, c'est ma passion. J'aime le cinéma, c'est ma passion. Es algo ya muy fuerte, o sea, como me encanta, lo amo. Amo el cine. Amo el cine, es mi pasión. Es un statement muy fuerte. Je vois ici, j'adore danser la salsa. J'adore, Edor adore la danse. Ok, Edouard, désolé parce que tu dis j'adore danser la salsa. Donc, c'est plutôt j'adore la danse ou j'adore danser la salsa et lire des livres. J'aime écrire et faire des desserts. Ok, Carmen dit. Carmen aime beaucoup écrire et faire des desserts. Ah, super, Carmen. Quel type de dessert tu aimes bien, Carmen? Quel type de dessert tu aimes bien? Tu aimes bien, Carmen. Quel type de dessert tu aimes bien? Ou quel est ton dessert préféré? Quel est ton dessert préféré? Quel est ton dessert favori? Vilma, tu aimes beaucoup broder, Vilma. Vilma aime beaucoup broder. Non, border, sinon broder. Broder. Broder est bordar. Broder. Lady dit, j'aime chanter. J'aime chanter. Quel type de musique, Lady? Quel type de musique tu préfères chanter? Par exemple, ça c'est une... Si tu veux dire, je préfère... Entre deux rythmes, entre la pop et les rock, qu'est-ce que tu préfères chanter, Lady? Qu'est-ce que tu préfères chanter? Quel type de musique tu préfères danser, Lady? J'aime beaucoup la musique romantique. Ok, Luzani dit j'aime chanter, j'aime le fromage. J'aime le fromage. Luz Marina aime beaucoup la musique romantique. Luz Marina, tu le dis comme ça.
J'aime beaucoup la musique romantique. Ok. Carmen Legato. Donc, Carmen, ce que tu peux dire, c'est Carmen aime beaucoup écrire et faire des desserts. Elle préfère faire des gâteaux. Ça, c'est ce que tu peux dire, Carmen, par exemple. Elle préfère faire des gâteaux. Donc, tu peux dire, je préfère faire des gâteaux. Je préfère faire des gâteaux. Oh, je préfère les gâteaux. Elle préfère les gâteaux ou je préfère les gâteaux. Si je vais vous mettre. Je préfère les gâteaux. Je préfère les gâteaux pour Carmen. Et pour Lady, je préfère chanter des ballades, les ballades, chanter les ballades, les ballades, plutôt des ballades, chanter des ballades. Je préfère chanter des ballades. Ah, super Carmen, ça c'est cool. Margarita dit, j'aime beaucoup faire des sudoku. Donc, Margarita, tu dois dire, j'aime beaucoup, beaucoup faire des sudoku. Sudoku. Faire des sudoku. Faire des sudoku. Tu aimes beaucoup faire des sudoku. J'ai appris à faire les gâteaux de roi en France une fois que je suis allée. Super, Carmen. Très cool. Bah, merci beaucoup parce que vous m'avez déjà partagé pas mal de choses. Vous avez déjà partagé pas mal de choses, des beaux goûts avec moi. Et ça, c'est bien. Ça va vous permettre déjà de savoir comment vous exprimer. Et ce que je vous invite à faire, c'est que chez vous, vous écrivez dans un cahier ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et que vous le répétez souvent. Comme ça, si jamais une personne vous parle dans la rue ou vous êtes en France et ce thème des conversations arrive, ben vous pouvez maintenant les répondre en français. Vous savez maintenant comment exprimer vos goûts en français. Et ça, c'est très bien. Donc, félicitations. Maintenant, j'ai une autre exercice pour vous. Donc, on va écouter deux personnes. Donc, on va écouter deux personnes. Et ce que je veux ici, c'est qu'en fonction de ce qu'ils disent, vous allez classer ces activités entre détester, n'ai pas aimé, n'ai pas beaucoup aimé, aimer bien, aimer et adorer. Donc, on va faire d'abord la femme et ensuite on va faire le monsieur. Vous avez compris? Je vais vous répéter parce que je crois que je vais parler très vite. Nous allons écouter un enregistrement d'une femme. Cette femme va exprimer ses goûts. Elle va dire ce qu'elle déteste, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle n'aime pas beaucoup, ou ce qu'elle aime bien, ou ce qu'elle aime, ou ce qu'elle adore. Avec ces catégories-là, quelques catégories ici. Votre travail, ça va être de écouter et me dire pour chaque catégorie ou activité, à quel goût ça correspond. D'accord? Dites-moi si vous comprenez ou si je dois répéter. Dites-moi si vous comprenez l'activité ou si je dois répéter. Vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire?
Ok, Margarita. Nous allons écouter cette femme. Donc, c'est une femme qui va parler. Elle va parler de ses goûts. Donc, elle va parler de ses goûts. Elle va alors s'exprimer en disant « je déteste » ou « j'aime pas beaucoup, j'aime bien, j'aime, j'adore ». Avec ces activités ici, les activités ici. Donc, votre travail, ça va être de les dire en fonction de ce que vous écoutez. Vous allez me dire, vous allez classer chaque activité avec ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime bien, ce qu'elle adore. Lo que ustedes van a hacer es, van a escuchar el audio. La persona, está, en este caso la chica, ella va a hablar de algunas actividades acá y ella va a decir si le gustan o si no le gustan. Y entonces, ustedes lo que me van a decir es, por ejemplo, escalar, detesta, ella lo detesta. O el esquí, ella no le gusta. Me van a decir a qué categoría corresponde cada uno. ¿Ok? On va, c'est parti. J'aime bien le sport en général et j'adore la musique. Je n'aime pas beaucoup les voyages et je déteste la lecture. C'était assez rapide, donc je vais le répéter. Elle a mis, elle a donné déjà quelques activités. Et elle a exprimé ses goûts, ok? Donc, je vais les répéter et vous allez me dire des catégories qu'il a notées. Vous allez me dire à quelle catégorie ça correspond. J'aime bien le sport en général et j'adore la musique. Je n'aime pas beaucoup les voyages et je déteste la lecture. Oui, très bien. Ok, donc je vois que vous venez ici. La musique, c'est adorer. La musique adorée. Elle adore la musique. Déteste la lecture. Elle a parlé aussi de sport. Qu'est-ce qu'elle a dit de sport? J'aime bien les sports. Très bien, Margot. Elle adore la musique, j'aime bien les sports, j'adore la musique, je déteste la lecture. Les voyages, je n'aime pas beaucoup. Ok, très bien. Donc, on va voir. Ah non, je me suis trompée. Ok. J'aimez-vous déjà déteste la lecture. Ok, parfait. Yo veo ahora... Ahora quiero, veo muy bien las respuestas. Ahora voy a poner las respuestas del hombre. Ok, vamos a escuchar ahora las del hombre. Porque en la diapositiva puse primero las del hombre, entonces sí no se las voy a revelar. Lo vamos a escuchar una vez y luego las voy a revelar, porque ustedes hicieron muy bien la actividad para la chica. Ahora, escuchen la del hombre y me dicen... J'adore le ski. C'est vraiment génial. Par contre, je déteste la natation. J'aime bien l'escalade, mais je n'aime pas cuisiner. Donc pour l'homme, c'est comme ça. J'adore le ski. C'est vraiment génial. Par contre, je déteste la natation. J'aime bien l'escalade, mais je n'aime pas cuisiner. Il adore les skis, il déteste la natation. Il déteste la natation. Donc, il adore les skis, j'ai vu que vous l'avez compris. Il aime bien l'escalade, il avait dit aussi. J'aime bien l'escalade. Et il adore les skis. Il adore les skis. Donc, il aime bien l'escalade, il adore le ski.
Il n'aime pas cuisiner. Il n'aime pas cuisiner. Je vois Gina qui dit il n'aime pas la cuisine. Très bien. Il aime bien l'escalade. Et il adore le ski. Il n'aime pas la cuisine. Ensuite, il dit « Je déteste la natation ». Vous me l'avez dit. Il déteste la natation et cuisiner, il n'aime pas. Il n'aime pas cuisiner. Pour la fin, vous l'avez dit très bien. Donc, elle avait dit « J'adore la musique ». J'adore la musique. Vous me l'avez bien dit. Bravo. Elle dit qu'elle aime bien le sport. Elle aime bien les sports. Vous l'avez dit aussi. Bravo à vous. Elle dit qu'elle n'aime pas beaucoup les voyages. Je n'aime pas beaucoup les voyages. Et qu'elle déteste la lecture. Elle déteste la lecture. Donc, si on donne encore une fois, il aime bien l'escalade. Il aime bien l'escalade. Il adore les skis. Mais il n'aime pas beaucoup cuisiner. Et aussi, il déteste la natation. Par contre, la femme, elle adore la musique. Elle aime bien le sport. Elle aime bien le sport. Mais elle déteste, elle n'aime pas beaucoup les voyages. Et elle déteste la lecture. Voilà pour les goûts de l'homme et de la femme. Oui, donc c'est très bien, vous êtes, ça, c'était très bien pour vous l'écoute, bravo. Alors maintenant, je vais vous parler un peu d'écrire son entourage. Donc c'est la description, mais encore, sur le fait de parler de son quotidien. Et une des parties importantes, c'est d'écrire quelque chose et évoquer les caractéristiques d'une personne, d'un objet ou d'un objet. Et c'est pour ça que c'est très important de voir quelques caractéristiques. Ici, je vais vous montrer les caractéristiques des vêtements. Mais ce n'est pas que les caractéristiques des vêtements, c'est des caractéristiques des objets en général et parfois des personnes. Les voy a mostrar ahora características. En específico, les estoy dando características de la ropa. Pero estas características también pueden ser aplicadas para otros objetos u otras personas. Parce que ici, je vais introduire un sujet important. Un sujet important, donc. Ici, on dit une belle chemise, un beau pantalon, un petit chemisier, un grand manteau, un joli pull, une vieille écharpe. Ce sont des caractéristiques. Ce sont des caractéristiques de ces objets. Dans ces cas, ce sont des vêtements. Une belle chemise, un beau pantalon, un grand manteau, un petit chemisier, un joli pull, une vieille écharpe. Et de l'autre côté, j'ai d'autres caractéristiques. Des baskets magnifiques. Une jupe bleue, une jupe noire. Des chaussettes confortables, des vêtements décontractés, une robe parfaite, des baskets magnifiques, une jupe bleue, une jupe noire, des chaussettes confortables, des vêtements décontractés, une robe parfaite. Tout ça, ce sont des caractéristiques des vêtements ou des objets en général. On peut dire aussi un style décontracté ou je suis décontracté. Ça, c'est une caractéristique, un atout d'une personne.
ici, nous sommes en train de parler. Tout ça, c'est que je vous ai mis en rouge. Tous les mots que j'ai mis en rouge, c'est quel type de mots? Comment on appelle ça? Ce sont des, quel type de mots? Ce sont des caractéristiques, mais ce sont aussi quel type de mots? On a des noms, des verbes. Donc, c'est quel type de mots? Todas estas palabras que están en rojo, ¿qué tipo de palabras son? ¿Qué tipo de palabras son? Tenemos sustantivos, tenemos verbos, tenemos la palabra que no voy a decir, tenemos pronombres. ¿Quels sont ces mots? Si ce sont des caractéristiques, si ça sert à décrire quelque chose, quel type de mots sont belles, beaux, magnifique, bleu, confortable, décontracté, parfaite, vieille. Très bien, ce sont des adjectifs. Ce sont des adjectifs. Des adjectifs, parfait. Parfait, adjectif. Comme on avait vu tout à l'heure, des adjectifs démonstratifs, des adjectifs possessifs. Ici, ce sont des adjectifs pour qualifier. Oui, ils qualifient le verbe. O accompagnent el sustantivo. Vous voyez quelque chose de différent entre la colonne de gauche et la colonne de droite? Est-ce que vous voyez quelque chose de différent entre la colonne de gauche et la colonne de droite? Quelles sont les différences entre les deux colonnes? Est-ce que vous pouvez voir des différences entre la colonne des gauches et la colonne des droites? Est-ce que vous voyez des différences entre la colonne des gauches et la colonne des droites? Quelle est la différence entre la colonne des gauches et la colonne des droites? ¿Cuál es la diferencia? Une belle chemise, des baskets magnifiques, un beau pantalon, un petit chemisier, des chaussettes confortables, des vêtements décontractés. ¿Cuál es la diferencia entre esta columna y esta columna? ¿Vous voyez aucune différence? ¿Est-ce que vous voyez une différence entre cette colonne et cette colonne? Très bien, Vilma. C'est pas tout à fait vrai, Gina, parce qu'une vieille écharpe, ça c'est féminin. Et ici, tu as raison, c'est. Ici, c'est pas féminin, par exemple. Très bien, Margot. Très bien, Margot, c'est à gauche, les adjectifs sont avant le nom. Et ici, ils sont après les noms. Donc, c'est la différence. La différence, c'est que tous ces adjectifs-là, ils se placent avant le nom, alors que tous les autres types d'adjectifs, ces adjectifs de cette colonne, ils se placent après le nom. Donc, ici, on parle de la place des adjectifs. Donc, c'est la place des adjectifs. Est-ce que les adjectifs, bon, avant le nom ou après les noms? Est-ce qu'il se place avant ou après? Avant, après. Donc ici, c'est avant le nom. Ici, c'est après le nom. Avant le nom, nous allons avoir quelques adjectifs très spécifiques. Quand est-ce qu'on va placer des adjectifs avant le nom? Des adjectifs très spécifiques. Souvent, ce sont des adjectifs courts, des adjectifs courts, comme beau, belle, belle. Donc ça, c'est la forme féminin et ça, c'est la forme masculin pour des mots qui commencent par voyelle. Grand, grande, petit, petite, jolie, jolie, gros, grosse, vieux, vieille, nouveau, jeune, et tous les nombres. Donc, trois pulls, trois manteaux. Le premier manteau que j'ai acheté,
ce sont des nombres, donc des adjectifs qui se placent avant le nom. Vous avez ces adjectifs-là, ces listes-là, et les nombres aussi. Les nombres se placent avant le nom. Et pour vous faire une petite rappel, avant le nom vont se placer des adjectifs courts. Donc, beau, beau, petit, joli, vieux, gros, nouveau, jeune. Et les nombres, también los números. Los números también van antes del sustantivo. Entonces, por eso es que decimos trois pulls, le premier pull, le premier manteau, le premier jour, el primer día. Ce sont des nombres. Les nombres vont aussi avant le nom. Et les adjectifs qui vont après le nom vont être alors la plupart des adjectifs, comme ceux de nationalité, des couleurs et aussi ceux qui sont longs. Donc, la plupart des adjectifs, ils vont se placer après le nom. La plupart des adjectifs vont se placer après les noms, notamment des adjectifs des nationalités, donc ma copine française, mon copain colombien. On ne va pas dire mon colombien copain. On ne va pas dire ça. Ou ma italienne copine. Non, ma copine italienne. Mon copain colombien. Il se place après les noms. Des couleurs, une jupe bleue, un pantalon noir, des pantalons noirs, des baskets rouges. Et des adjectifs qui sont longs, des vêtements décontractés, des chaussettes confortables, une robe parfaite, des robes parfaites. Donc, vous voyez alors la différence entre les deux. Avant le nom, ceci c'est un peu pour la mémoire, mais plutôt vous pouvez vous rappeler les petits adjectifs vont être placés avant le nom. Los adjetivos cortos se ponen antes del sustantivo. Y los adjetivos que son largos, como la mayoría de adjetivos, van a estar después del sustantivo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas? Ou est-ce que c'est clair? Est-ce que ce n'est pas clair? Qu'est-ce qu'il faut que je répète? Dites-moi. Dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous comprenez, si c'est compris, si c'est OK, si c'est pas OK. Je vous lis, je ne vois pas des réponses. No veo preguntas. Je vois Edward qui dit j'ai compris. J'ai compris. D'accord, très bien. Je ne vois pas d'autres personnes qui répondent. Merci Edward de répondre. Et si, Jean. Si. Ça aussi, c'est possible. También puedes tener adjetivos antes y después. Porque eso también es otra cosa, pero eso lo podemos ver más adelante, porque es un poco más avanzado. Y es que hay adjetivos que, dependiendo si tú lo pones adelante o antes del sustantivo o después del sustantivo, va a cambiar el sentido de la frase. Cambia el sentido de la frase. Entonces, pero ese es un tema un poco más avanzado que vamos a ver después. Pero esto es, en general, los adjetivos van a estar antes o van a estar después. Pero, para que sepas, es como una pequeña introducción. También para bastantes adjetivos,
puede haber una intención entre ponerlos antes o después del sustantivo. Patricia, no tengo claro el uso de adjetivos demostrativos. Adjetivos demostrativos, c'est... C'est ce qu'on a vu en début de cours, Patricia. Patricia Prado, est-ce que tu étais avec nous les cours passés? Patricia, tu estuviste en la clase pasada? Si tu n'étais pas au cours passé, ce que je te recommande de faire, c'est de plutôt regarder les cours de la dernière fois. Parce que si tu n'étais pas là, bah, on l'avait déjà expliqué. Et donc, tu peux aller voir les cours derniers. Et comme ça, tu vas voir. Entonces, te recomiendo, Patricia, que si no entiendes bien los adjetivos demostrativos, la clase pasada los expliqué con más detalle y ahí puedes ver más ejemplos y más explicaciones. Porque, pues, ese fue el tema de la clase pasada. Entonces, hice el primero el rappel y ya hoy ese es otro tema. ¿Es como una diferencia entre un atributo y una cualidad? Pues no sé qué quieres decir con eso, Hugo. Los adjetivos son cualidades. O sea que estás haciendo son adjetivos. Los adjetivos son cualidades también. Califican el sustantivo. Heidi, ¿qué actividades recomiendo para practicar adjetivos? Pues las actividades que voy a colocar en el Moodle, y en el blog. Ahí voy a colocar algunas actividades de adjetivos. Entonces puedes utilizar esas y los temas que hemos puesto en el blog. Sino lo que tú puedes buscar como palabra clave si tú quieres practicar, además de las palabras que les voy a mostrar, de los ejercicios que les voy a mandar, es busca en internet exercice place des adjectifs fleu. Ah, je vois, y a Paul qui dit quelque chose. Ça, c'est quelque chose plus... Donc, il dit CRO. On doit dire CRO et pas... Et pour que no dire CRO. Lo que pasa, Edward, es que esto no está bien. Y es porque esta... H se llama H aspiré. H aspiré. Un H aspiré. H aspiré. Se llama así. La H aspiré es una H que no se puede reemplazar. Entonces, se tiene que decir. Como, por ejemplo... haricot. Le mot haricot, quand on prononce, on ne dit pas, on dit des haricots. On dit des haricots. Des haricots. Et pas des haricots. Et ça se llama H aspiré. Donc, puedes buscar, Edward, ¿qué significa H aspiré? Aspiré es una H que no se puede reemplazar. Entonces, en ese caso, para las H aspiré, se utiliza el adjetivo demostrativo se y pa se, set, como lo habíamos visto para otras H. Porque, por ejemplo, uno si dice set imperméable, set homme, pero no decimos set euro. Porque ERO, lo que pasa es que es una H aspire. Paula, los horarios de las clases son martes y jueves desde las 7 de la noche hora Francia, 12 p.m. hora Colombia, hasta las 8 y media o 1 y media.
El blog lo podemos poner de nuevo. Se lo voy a mandar a Jenny. El link, si lo puede poner. Y para que puedan acceder. Para que puedan acceder. Donc aussi, ok. Ok, je ne vois pas qu'il y a d'autres questions. Vamos a hacer una pequeña actividad con estas características y con esta regla de la place des adjectifs. Ok, donc parler de ses goûts. Donc, nous allons pratiquer parler de ses goûts. Et vous allez me dire quelle est la bonne place... Quelle est la bonne place de l'adjectif? On va voir la place de l'adjectif. La place de l'adjectif. La place de l'adjectif. Donc ici, je vous donne l'adjectif belle. Vous allez me dire si l'adjectif, je dois le placer avant ou après. Ok? Ici, sur cette photo. Ici, sur cette photo, est-ce que je mets... belle avant ou je mets belle après? Quelle est la place de l'adjectif? Avant ou après? Dites-moi, comment devrait être la phrase? Écrivez la phrase complète. Écrivez la phrase complète sur le chat. Je vois que Gina m'a dit avant. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écrire la phrase complète alors? Que vous pouvez écrire la phrase complète. Ici, sur cette belle photo, ici, sur cette belle photo, ici, sur cette belle photo, ici, sur cette belle photo. Ensuite, sympa, c'est un homme. Est-ce que sympa s'écrit avant ou s'écrit après? Écrivez, s'il vous plaît, donc, la phrase complète avec les bons placements de l'adjectif. Est-ce que vous pouvez écrire les bons placements de l'adjectif? La phrase avec les bons placements de l'adjectif. C'est un homme sympa. C'est un homme sympa. C'est un homme sympa. Ma mère habite dans une ville. Donc, c'est petite. Ma mère habite dans une ville lourde. C'est où? Avant ou après? Ma mère habite dans une ville. L'adjectif est petite. Petite. Ma mère habite dans une ville. Ma mère habite dans une ville. Comment est-ce qu'on doit le mettre? Très bien, Gina. Très bien. Jospin, très bien aussi. Ma mère habite dans une petite ville. Lourde. Lourde. Ma mère habite dans une petite ville. Lourde. Lourde, c'est dans les Pyrénées. Est-ce que vous connaissez Lourde? C'est dans les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées. Et là-bas, il y a une cathédrale qui s'appelle la cathédrale de Notre-Dame de Lourdes. Et là-bas, il y a eu un miracle. Lourdes, c'est dans les Pyrénées, près de Toulouse. Lourdes es en los Pirineos, cerca de Toulouse. Et c'est une petite ville. C'est une ville de 13 000 habitants. Une ville de 13 000 habitants. Alors, la prochaine, c'est Bruno, son copain portugais. Donc, les mots, c'est portugais. C'est Bruno, son copain. Quel côté? Hugo, il l'a dit bien. Angie aussi. Bravo. Son copain portugais.
C'est Bruno, son copain portugais. C'est Bruno, son copain portugais. J'aime bien son pantalon. J'aime bien son pantalon. De quel côté on doit mettre ça? Quelle est la place de l'adjectif noir? Quelle est la place de l'adjectif noir? J'aime bien son pantalon noir. Bravo! J'aime bien son pantalon noir. J'aime bien son pantalon noir. Votre artiste, c'est la chanteuse Adèle. Le mot, c'est préféré. L'adjectif, c'est préféré. Votre artiste, c'est la chanteuse Adèle. Bah, trop super. Bravo. Votre artiste préféré, c'est la chanteuse Adèle. Et attention ici, comme c'est une chanteuse, j'ai mis ici préféré avec le féminin. Artiste préféré, c'est la chanteuse Adèle. Parce que c'est une femme. Donc, c'est pour ça que j'ai mis E de plus. Como es femenino, puse una E más. Mais très bien. Bah, bravo, bravo. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure. C'est qui a demandé? Heidi? Heidi Vanegas. En estas clases van a hablar de diferencias de francés de Canadá y francés de Francia. Heidi, no. En este curso enseñamos el francés clásico, el francés de con el acento más que todo francés, porque es donde vivimos. Y sin embargo, las diferencias entre el francés de Canadá y de Francia existen, pero si tú aprendes estas clases de francés, en estas clases de francés te puedes defender en Canadá. El acento varía un poco, yo no puedo hacer el acento de Canadá, no me sale, pero la conjugación va a ser la misma, la cantidad de palabras en general va a ser igual. Yo quiero preguntar por LinkedIn. Yo ingresé, pero no tengo el curso cargado. ¿Qué tengo que hacer? Gracias. ¿Cuál es la regla gramatical de qué, Clara? ¿Cuál es la regla gramatical de qué? Para el lugar de los adjetivos. Esta es la regla. Mira, Clara, esta es la regla. La regla es la siguiente. Avant le nom, antes del sustantivo, van a ir adjetivos pequeños como beau, belle, belle. Beau, belle, belle. Grand, grande. Petit, petite. Jolie, jolie. Grosse, grosse. Vieux, gros, grosse, vieux, vieille, nouveau, jeune et les nombres. Esos son los adjetivos que van a ir antes del sustantivo. Y después del sustantivo van a estar la mayoría de los otros adjetivos, como los de nacionalidad, como los colores y como los adjetivos que son muy grandes, como décontracté, confortable, magnifique, parfaite. La mayoría de los adjetivos son después, se ponen después del sustantivo. Ça, c'est la règle grammaticale. Pour la place des adjectifs, Clara. Les quería mostrar en estos minuticos que tenemos. Aquí está. Si hacen clic en este link, cuando, pues la memoria, sí, un poco juega la memoria, no hay, la regla es adjetivos cortos van antes y adjetivos grandes y la mayoría de adjetivos van a ir después. Entonces, los que te tienes que aprender van a ser estos adjetivos que te puse acá, que son los adjetivos pequeños. Tu regla van a ser adjetivos pequeños.
grand, petit, joli, gros, vieux, nouveau, jeune, et les nombres. Entonces, aquí les voy a mostrar, si ustedes hacen clic en el link que yo les envié, que pusieron ahí en Colombianos 1, ustedes llegan a este punto. Les dice, usted no está todavía registrado, por favor, ingrese al Moodle. Como yo tengo mi cuenta acá, pues de una yo puedo hacer login. Pero como si ustedes no han creado una cuenta, tienen que darle clic acá. Este yo lo tengo en inglés, pero ustedes tal vez les puede salir en francés o en español. Entonces lo que hacen es darle clic acá para crear una nueva cuenta. Y simplemente hacen los pasos pues para crear su cuenta. Lo 25, su país, digamos que estamos en Colombia. Y entonces deben crear como un username y una contraseña y escriban su... Y tienen que escribir su correo y vuelven a escribir su correo y escriben su nombre y su apellido. Estas otras no son obligatorias, entonces no las tienen que poner. Solo para la inscripción tienen que llenar los campos que sean obligatorios, es decir, los que tienen esta señal. Y cuando así ya pueden crear la cuenta, al correo de ustedes les llega una verificación, un correo de verificación que tienen que darle clic para que se active la cuenta. Una vez tengan eso, ya van a poder ingresar. Entonces yo les voy a mostrar cómo es que si ustedes ingresan van a ver. Entonces ya le dan login. Y aquí llegan al test, si tienen el link que yo les mandé. Y pueden empezar el test. Y ahí estarán las preguntas. Son 11 preguntas. Y al final, pues ya terminan el test y lo envían. Voilà. Jenny, les voy a volver a colocar el link antes de que se acabe la clase. Así se pueden meter. Ok. Donc, c'était la fin. Donc, je vois que c'est bientôt l'heure. Ce que je voulais vous montrer, ici, je vais vous laisser un exercice d'écoute. C'est un exercice d'écoute où il y aura une vidéo. La vidéo s'appelle le style vestimentaire. Il s'appelle Cyprien. C'est un des youtubeurs les plus connus en France. Et je vous avais laissé quelques questions. Les dejo una tarea si quieren practicar la escucha. Este es un ejercicio un poco más difícil porque es un hablante nativo y es joven, entonces habla rápido. Pero lo que les propongo es que vean este video que yo les voy a dejar en la presentación y que intenten responder a las preguntas antes de ver las respuestas que yo les dejo en las diapositivas después. Y así van a testear qué comprenden. Ok, donc, Rose Pin, el link del blog está ahí. Y en el blog nosotros hacemos referencia al Moodle para que te puedas inscribir. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne soirée et aussi une bonne journée pour ceux qui sont en Colombie. Et bah, je vous dis merci et à jeudi avec David. Donc, vous avez cours jeudi prochain avec David. Au revoir!